tout le monde, hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire le tri de tous mes rouges à lèvres. Voilà, j'en ai entre 90 et 100 des rouges à lèvres, j'ai compté vite fait. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. On a grandi la famille des bananas, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sinon voilà, on va commencer la vidéo, je vais trier les rouges à lèvres que j'ai. Let's go. Alors voilà, là on a tous mes rouges à lèvres, on en a là dans ce rangement, on en a là, là par terre et on en a ici. Donc ce que je vais faire, c'est que les rouges à lèvres que je mets très très souvent, je vais les mettre dans ce rangement là, qui va aller dans un tiroir là où je range tout mon make-up, dans les tiroirs où il y a mon maquillage. Dans cette boîte, je vais mettre ce que je garde et par terre là, je vais mettre ce que je garde pas. Donc on va commencer. Déjà là, il y a les Fenty Beauty, la collection de Noël de l'année dernière. Il y en a trois rouges à lèvres dedans, ceux-là je les mets très souvent. Je vais les... ils rentrent pas là-dedans, mince. Je vais les mettre... là-dedans non plus, ils rentrent pas. Il faut que je les sorte de la boîte. Je les mets très souvent, ceux-là. Du coup, il faudrait les sortir de la boîte pour les ranger là-dedans. Comment? Ils rentrent pas, je suis comme une dingue. Ils rentrent pas là-dedans. Dans ce rangement-là, ils rentrent. Là, ils rentrent pas. Bon, je les ai sortis de leur boîte. En fait, il n'y a que deux teintes que je mets souvent, le marron et le bleu. Ce orange-là, je ne le mets pas souvent, je vais le remettre dans la boîte. Et ces deux-là, je vais les mettre là-dedans. Et celui-là, je le remets dans sa boîte. Voilà, je le remets dans la boîte et je le laisse là-dedans. Et ceux-là, c'est ce que je mets très souvent. Après, on continue. Celui-là, je ne le mets pas très souvent, mais je le garde. C'est un liquid matte violet. Il en reste encore beaucoup, puisqu'il en reste que tout ça, là. Il s'arrête là. Je le garde, mais ça fait longtemps que je l'ai. Il faudrait que je chante l'odeur. En fait, il faudrait que je vous pose quelque part. Comme ça, je pourrais avoir mes deux mains. Attendez, je vais trouver quelque chose, une astuce. Voilà, je vous ai posé sur le trépied. Du coup, on va continuer. Donc, ce rouge à lèvres. Il sent encore bon. Donc il n'est pas périmé, je l'aime bien, je vais le laisser là-dedans. Après, on a des crayons, les crayons à lèvres, je vais les sortir, je vais les ranger dans le tiroir, là où il y a tous mes crayons à lèvres et mes crayons pour les yeux. J'ai une boîte spéciale pour les crayons, je vais les mettre dedans, dans la boîte, je vais les laisser de côté pour l'instant. Après... on a le rouge à lèvres rouge et Hélène Tracy que j'avais acheté à Washington. Celui-là, ça fait partie des ceux que je mets souvent. Je vais le mettre là-dedans. Après, on a un marron de chez Primark. Je sais pas si je le mets souvent ou si je le garde. C'est sûr, je le garde. Je vais pas le jeter. Mais allez, je le mets comme ça avec cela parce que je le mets pas souvent. Celui-là, c'est un liquid matte de chez Wet n Wild. Celui-là, je le mets souvent, donc je vais le mettre là-dedans. Voilà. Après, on a ce marron. Ce marron, je le mets pas souvent. Je le mets là. Après celui-là, je l'aime pas. Celui-là, je ne vais pas le garder. Je le pose par terre. Je ne vais pas le garder. Faut pas que je mélange. Il y a des rouges à lèvres qui sont par terre de ce côté-là que j'ai pas encore trié. Faut pas que je mélange tout. Je vais ranger ces crayons. Donc on continue. Celui-là. Celui-là, c'est un rose violet. Je le garde, je le jette pas, mais je le mets pas souvent, alors je vais le mettre dans la malle. Celui-là, c'est un nude que j'aime pas trop, je le garde pas. Celui-là, c'est un golden rose que je mets souvent, je vais le mettre là. Celui-là, je le mets pas souvent, je le mets là, je le garde. Celui-là, le lip lacquer, je le mets souvent. Alors, je vais le garder.
je vais le mettre là. Celui-là, celui-là c'est mon rouge à lèvres raisin préféré, il reste plus que ça de rouge à lèvres dedans. Je l'aime trop. Je vais le mettre là. Après, on a le Maybelline Superstay 24h. Je le mets jamais celui-là. C'est un beau rose, un rose très flash. Je le mets jamais, mais je vais le garder. Je le mets là. Après, on a un nude de chez W7. Celui-là, faudrait que je le réessaye. Celui-là, faudrait que je le réessaye. Je sais pas ce qu'il vaut. Je le garde, je vais le mettre là. Ceux qu'il faut que je réessaye, je vais les mettre dans le coin. Comme ça, je réessayerai après la vidéo. Celui-là, le Huda Beauty, je le mets souvent, je le garde, mais il va dans le tiroir, il va pas rentrer, on verra bien. Après, celui-là, c'est un métallique, c'est le de Bis Metal Lips, je le mets pas souvent, mais je le garde. Celui-là, je le mets pas souvent, mais je le garde, c'est un liquid matte. Celui-là, c'est de la même marque, c'est le Colossal. Je le garde. Celui-là. Celui-là, il est trop beau, je l'aime bien. Je le mets souvent, mais pas tant que ça. Alors, je ne le mets pas avec dans la boîte, mais je vais le mettre dans la malle. Après, celui-là, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Je le mets là. Celui-là, je le mets souvent, mais il ne va pas rentrer dans la boîte. Je vais le mettre comme ça, en horizontal. Celui-là, c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Primark. Je le mets jamais, je le garde pas. Je le mets par terre. Après, celui-là. Celui-là aussi, c'est un Ellen Tracy que j'avais acheté aux USA. Je sais pas si je le garde. Je le garde, ouais. Je le mets là. Après, on a un nude que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Je vais le mettre là. Celui-là, il vient de chez Primark. Je le mets là. Celui-là, c'est un Sephora. Il est argenté. Il est assez original, celui-là. Ah, le bouchon, il est cassé. Il est encore tout neuf, on dirait. Non, il n'est pas tout neuf, j'abuse. Ben, celui-là, je le garde, mais je le mets pas souvent. Si, je le mets souvent, celui-là. C'est juste que je l'avais zappé, mais je vais le mettre. Donc, je le mets dans la petite boîte qui ira dans le tiroir. Celui-là, c'est un liquid matte de chez Primark. Je le mets là. Celui-là, c'est un gloss que j'ai acheté au marché. C'est vraiment un gloss. Du coup, je le mets là. Après, on a le NYX. Le Glow On violet. J'ai enlevé l'étiquette. Celui-là, je sais pas ce que j'en fais. Je le garde, mais je le mets pas souvent. Allez, je le mets dans la malle. Après, celui-là. Celui-là, ben, je sais pas, c'est un nude ou un rose. C'est un nude, lui. Lui, c'est un nude avec ceux que j'aurais essayé pour voir ce que je garde ou pas, si je les garde ou pas. Ça, c'est un Yves Saint Laurent que je mets pas très souvent, donc je vais le mettre là. On a le Bis holographique. Je le mets pas souvent, mais je le garde parce que je le mets de temps en temps quand même. Mais je le mets pas tous les jours. Je le mets là. Celui-là, il est tout parti, il a toute partie de l'écriture. C'est un Maybelline, le 24h Superstay, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Superstay? Un truc comme ça, ouais. Celui-là, je le mets souvent, donc je le mets là. Le bleu, ben, je vais le mettre là. Le Vivid Hot Lacquer, je le mets pas du tout souvent, je le mets là. Celui-là, il faut que je le réessaye, celui-là. Je sais pas comment il me va, j'ai oublié. Je vais le mettre dans le côté. Là, vous voyez pas, mais là, regardez.
Là, c'est tous les rouges à lèvres que je vais essayer à la fin de la vidéo pour voir si je les garde ou pas parce que je ne me rappelle plus de ce que ça donne sur mon visage. Donc voilà, on continue. Celui-là. Celui-là, c'est un beau rouge. Il en reste presque plus. J'ai peur qu'il soit périmé. Celui-là, ben, je le garde pas. Après. Celui-là, c'est un rose de chez Primark. Je le mets là. Celui-là, c'est un violet du marché. Je le mets là. Celui-là, c'est mon gloss préféré. Quoique, il rentre pas dans. Il est trop gros. Ils sont trop gros, ces rouges à lèvres. Ils vont pas rentrer dans le tiroir. Bon, je le laisse quand même là. Quoique, j'ai un autre gloss que je pourrais. Mais j'aime bien les deux. D'ailleurs, on va ranger tout de suite ce gloss ici. Lui, il va là. C'est un L'Oréal Glam Shine. Donc je le mets dans la boîte là. Lui, c'est un Boxhome que j'avais acheté aux USA. Je le mets là. Après, celui-là. C'est un joli violet. Je le mets dans la malle. Celui-là. Celui-là, bon ben. Il est un peu trop foncé, je trouve. Je vais faire un swatch. Il est trop flash. Je le mets jamais. Allez, je le mets là. Ce nude-là, ben. Je sais pas, faudrait que je réessaye. Tous les nudes, il faut que je réessaye. Parce que certains nudes, je les adore. Et certains nudes, eh ben, je les déteste. Donc on verra à la fin de la vidéo. Celui-là, c'est un vert. Je sais pas quoi en faire. Celui-là, je le garde, je vais le mettre là. Celui-là, c'est un. Pas un liquid matte, mais. Un liquid lip color. Il est rose pailleté. Celui-là, je l'aime bien. Et je le mets souvent. Je le mets là. Après, celui-là. Celui-là, il faut que je le reteste. Pareil. Celui-là, c'est un bleu nuit que j'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Ces deux-là, c'est des crayons rouges à lèvres. Je les mets pas souvent. Je vais les mettre là. Celui-là, c'est mon nude préféré. Un trop beau nude. Je le garde, je le mets dans ceux que je mets souvent. Après, on a le violet Maybelline Super Stay Matte Ink. Voilà, c'est les Matte Ink. Ben, celui-là, je le mets pas du tout souvent, je vais le mettre là. Bon, on a vidé déjà tout ça. Après ça, peut-être que je les rerangerai là-dedans, je sais pas trop. On verra après. Pour l'instant, on n'a pas fini. Il reste encore tout ça. Bon, tous les KKW. KKW de Kim Kardashian West. Ceux-là, je les garde pas parce que je suis trop foncée. C'est des nudes trop clairs. Ils sont beaucoup, beaucoup trop clairs pour ma carnation. Je les mets là. C'est ceux que je mets pas. Donc, après. Ça, c'est ce que je mets tous les jours. Là, on a quoi? Celui-là, c'est un nude que j'aime beaucoup. Je vais le mettre là. Non, là, il prend trop de place. Je vais le mettre là-dedans. Celui-là, c'est un beau mat, un liquid mat très beau de chez Primark. Il est exactement la même couleur que mes lèvres. Un peu plus joli. J'aime beaucoup. Je vais le mettre ici. Je le mets souvent. Ça, c'est un marron de chez Kiko, je le mets là. Ça, c'est un rouge à lèvres trop trop joli que j'aime beaucoup. Je le garde, je le mets là. Celui-là, c'est un nude de chez Golden Rose. Qu'est-ce que j'en fais de celui-là? Celui-là, il faudrait que je l'essaye. Parce que je ne me rappelle plus ce que ça donne sur mon visage. Celui-là, c'est un beau rouge violet que j'aime beaucoup.
Je le mets souvent, je vais le mettre là. Celui-là, je le garde pas parce que je l'aime pas. Je le mets là. Le orange Maybelline Superstay Matte Ink. Il est flash lui. Hein. Je le mets pas tous les jours, alors je le garde là. Celui-là, il est trop joli, mais il est cassé. Mais il est trop joli, je l'aime trop. Et je le mets souvent, je vais le mettre là. Après, celui-là. Celui-là, il faut que je le réessaye. Parce que c'est un miscope. Parce que je ne me rappelle pas ce qu'il donne. Celui-là, le Golden Rose, je le mets souvent. Alors, Alors, je vais le mettre là. Il en reste deux. Là, celui-là, le Fenty Beauty, je vais le mettre là. Et celui-là, il sort d'où celui-là? Celui-là, je le mets là. Oula, je l'ai pas cassé, j'espère. Non, ça va. Je le mets là. Après, on a un petit rouge à lèvres comme ça, Yves Saint Laurent. Il est trop joli. Celui-là, je le mets souvent. Non, je le mets pas souvent, c'est pas vrai. Mais je devrais. Est-ce qu'il rentre? Je vais le mettre là. Ces deux-là, s'ils rentrent pas dans le tiroir, il vaut mieux que je les mette là. Ces deux rouges à lèvres que j'aime bien, mais ils vont pas rentrer dans le tiroir. Alors, je vais les mettre là plutôt. Ben voilà, on a fini. Il reste plus que ceux-là. Et ceux-là, je les aime tous. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-là. Du coup, ben, ceux-là, je vais les garder dans la boîte. J'aime bien leur en boîte. En plus, je trouve stylée cette boîte. Donc voilà, ben, par contre, là, il reste de la place. Donc, je vais revoir ceux-là. Il fallait que je les réessaye. Ceux-là, il fallait que je les essaye. Bon, ceux que je voulais tester avant de les jeter, je vais les mettre dans une boîte. Ça voudra dire à tester, parce que là, j'ai pas envie d'enlever mon rouge à lèvres que j'ai mis pour mettre un autre rouge à lèvres et un autre et un autre et un autre. Donc, il faudra que je les teste. Je vais les mettre là. Ceux-là, je vais voir si ceux-là, ils rentrent dans mon tiroir. Je sais pas s'ils rentrent dans mon tiroir, ceux-là. Yes, ils sont rentrés dans le tiroir. Donc maintenant, j'ai tout ça à ranger. Ce gloss, je le mets souvent. Ça, oui, c'est vrai, il y avait ces deux-là qui ne rentraient pas dans le tiroir. Je vais essayer de les faire rentrer. Yes, ils sont rentrés même debout. Du coup, bah, j'ai que ceux-là. Il ne me reste plus que ceux-là. Ceux-là, je vais les laisser dans la... je vais laisser là-dedans. Ça, ce rangement-là, il ne me sert plus à rien. Je vais laisser les rouges à lèvres là-dedans. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que ça rentre avec? Ouais, ça rentre. Nickel. Voilà. Ben, on a fini. Donc, ça, c'est les rouges à lèvres que je garde. Ça, c'est les rouges à lèvres que je garde pas. Et ça, c'est les rouges à lèvres à tester. Et voilà, on a fini la vidéo. On a fini le rangement, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Voilà, c'était mon gros tri make-up rouge à lèvres. Si vous voulez voir mon rangement make-up, parce que ça a changé maintenant, je les ai mis dans le tiroir, dans des tiroirs, mes rouges à lèvres, mes produits pour le teint, tout mon make-up, je les ai mis dans des tiroirs. Donc si ça vous dit, laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous voulez le voir, une vidéo rangement make-up. Voilà, en tout cas, moi je fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !